La cour du Faripote de Maeva s'est remplie de 150 habitants de l'île et d'ailleurs pour venir profiter du spectacle. L'artiste complet, humble et passionné par la culture polynésienne qu'était Bobby, connu également pour ses peintures symbolisant nos légendes, sera désormais exposé aux yeux de tous devant ce symbole de la culture durant un mois avant de continuer sa route vers d'autres îles telles que Raiatea et Tahiti. Des chants, des danses et le traditionnel horaire d'ouverture pour accueillir tout ce monde. Une manifestation en mémoire de cette personnalité partie depuis maintenant 30 ans. C'est important, c'est une bonne chose. Moi, je l'ai connu, j'étais jeune adolescent. Je le voyais là en ville, on le voyait en ville. Il s'est déplacé toujours en vélo avec son panier, on le voyait au magasin. Oui, il n'est pas d'ici, mais il a quand même vécu des années ici. Ouais, et bon, à l'époque, il y avait des gens qui le critiquaient bon, à cause de, comment on a dit ça, de sa vie, quoi. Hein. Mais bon, mais aujourd'hui, tu vois, tout le monde écoute sa musique. Hein. Ils en sont très fiers. D'ailleurs, notre collège a failli porter le nom de Bobby Holcomb. C'est toute une polémique qu'il faudra bien sûr choisir. Ça reste un choix à la commune, hein, enfin aux habitants de l'île. Et c'est un bel héritage qu'il faut continuer à partager au monde entier. Je trouve que c'est très important. Il y a les anonymes, il y a la famille, mais pour ceux qui le connaissaient de près, Bobby représentait l'amour pour l'autre et plus encore, le respect de la vie. Je pense à l'amour qu'il avait pour les gens, pour la terre, pour la culture ici. Qu'il aimait les gens et tout de suite quand tu voyais Bobby, tu sentais que c'était quelqu'un de bien. Pour retenir de Bobby, avant tout, le plus important qu'il nous a appris, c'est l'éthique des choses. Le sens de l'éthique même, qui n'est pas l'amour forcément, qui est le respect de la vie. Le chef-d'œuvre réalisé par l'artiste Évrard Chaussoy représente un travail de titan. Plus d'un an pour la conception de jour comme de nuit, chacun peut aujourd'hui mesurer l'impact de cette statue, une source d'inspiration pour se passionner de Bobby. Interpréter son visage avec ce sourire, je voulais absolument qu'il ait cet air où, quand on le regarde, presque on l'entend chanter. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de la gaieté parce que je pense que Bobby, c'était quelqu'un de joyeux et de généreux. Bobby tend les mains vers le ciel. Le collège de Huahine ne porte peut-être pas son nom, mais aujourd'hui, à travers cette œuvre façonnée dans du bronze, il sera le duc hawaïen de Polynésie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.